ceux qui ont des chaînes et voient leur disque augmenter, trouveront-ils jamais le temps de tout écouter? Et ceux qui ont des frigidaires sont-ils plus avancés que ceux qui font leur marché rien que pour une seule journée? Les abonnés du téléphone sont-ils privilégiés? Peut-être on peut communiquer autrement qu'avec ces appareils. Ceux qui possèdent la télé font-ils une sorte d'apprentissage de l'abrutissement total ou bien d'un autre moyen de transmettre les images? Et ces machines à laver la vaisselle dont-elles plus de liberté? Ou est-ce qu'elles nous entraînent pas plus dans la ronde des prisonniers? Tous ceux qui ont l'électricité sont-ils mieux éclairés que ceux qui se couchent avec le soleil et qui le regardent se lever? Et la bagnole, notre Dieu, va-t-elle nous transporter vers un pays merveilleux où règne l'amour et la paix? Où existe-t-il d'autres transports pour nous emmener vers la porte de sortie, vers une autre destinée? Et tous ces biens qui nous obligent à payer les frais tous les jours, notre belle nature un peu plus dénaturée. On dit qu'il n'est jamais trop tard, pourvu que ça soit vrai, car si les arbres venaient à mourir, alors qu'est-ce qu'on ferait? Et après toute cette frénésie, tant de travail acharné pour gagner l'argent nécessaire pour acheter plus, plus consommer, entendrons-nous cette voix qui nous appelle toujours, la seule voie à suivre, celle de l'amour? Non, elle n'a jamais cessé de nous appeler en attendant que notre descente aux enfers soit terminé.